là, hein, il est parti sur le côté, il a laissé. C'est incroyable. Alors ça, c'est. Quand on dit que la nature a pas besoin de nous, c'est certainement la chose la plus vraie. Cette partie là-haut, là, elle est morte. Ouais. Là-haut. Ouais. Ce rejeton là qui repart ici, où tu vois le bois neuf là. Ouais. Tout ce qu'il y a derrière, ça finira par tomber, il repartira de là. Et là, l'enveloppe originelle, elle est morte. Hein. Elle est cuite, ouais. Hein. En partie, ouais. Ouais, tout ce qu'on voit là, les corps, tout ça, c'est du mort, ça. C'est ça. Et à l'intérieur, tu vois les boursouflures vivantes. Ouais, c'est reparti hein. Du cœur et... Ah, ouais. C'est magnifique. Thank you.
24-18, c'était au début du 20e, tout à fait au début. Je jouais encore au boule avec les boules de côté de Lyon, les grosses boules. Par la pétanque, je n'existe pas, avec les grosses boules. Je jouais avec ça. Et dans ce village, ce qui était un petit bled à l'époque, ils avaient une tradition, c'est que quand ils perdaient 15-0, pour, non pas pour punir, mais pour encourager les perdants, on appelait une dame qui travaillait dans un café dans le village, qui s'appelait Fanny, et qui permettait de faire le bisou sur les genoux. Avant 14, c'était pas mal osé, hein, c'était pas toutes les dames qui permettaient ça. Et donc, dans ce village, je jouais aux boules, et le maire du village jouait avec ses copains dans le village, comme tout dans le village. Et le pauvre type, il perd 13-0. Et pourquoi je dis le pauvre type? Parce qu'il était fâché avec la Fanny. Fanny, elle ne pouvait pas blairer le maire. Les conneries de village, hein, c'était pas des choses méchantes. Et donc, il perd 13-0, et tout le village arrive, il a perdu 13-0, 13-0. Tout le monde arrive, et on appelle la Fanny. Qui arrive radieuse, contente, avec le sourire jusqu'aux oreilles, elle dit alors qui c'est les messieurs qui vont faire le bisou? On lui dit c'est monsieur le maire là. Fanny ne bouge plus, elle fait la tête parce qu'elle n'est pas contente que c'est le maire qui va l'embrasser. Et le maire devant ses petits copains, il ne peut pas être moins joueur, il s'avance vers la Fanny. Il s'avance et quand il arrive proche, elle se tourne. Et le monde se sent derrière, monsieur le maire. Et de village en village, par tradition, ça s'est répandu de partout. Et maintenant, à Romans, si vous avez l'ordinateur ou le smartphone.